Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo 29 de Evil Within sur le chapitre 15, donc dernier chapitre du jeu. Et bah écoutez, je vais essayer de le faire d'une traite, en espérant que je meure pas 50 fois dans la partie. Comme ça, bon bah voilà, je vais essayer de clore le chapitre entièrement vu que c'est le dernier. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve un bon armement, puisque vu les niveaux précédents que j'ai eu là qui étaient relativement très très chauds. Donc j'espère que je vais trouver ce qu'il faut pour arriver à faire ce qu'il faut là où il faut. C'est bizarre que l'autre soit pas là en train de me dire bonjour. Mais y a personne. Eh ben non, elle est pas là. Elle doit se cacher. Elle se cache dans un placard. Bon, je vais aller au coffre, après je vais upgrader un peu mon perso et je vais voir comment je peux me barrer d'ici parce qu'apparemment les faisceaux de lumière ne sont plus là. Ah putain, ça me fait chier ça à chaque fois. Eh ben ça c'est parfait, des carreaux explosifs. En plus ils vont m'enfiler 4. Ça sera pas trop. Ah parce que là ça devient vraiment 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 chaud. Alors des carreaux de glace, ça c'est bon, de toute façon là j'ai plus rien. D'ailleurs je pense que je vais upgrader mes carreaux histoire de... qu'ils soient un peu plus puissants. Parce que j'ai un peu peur que le boss de fin soit un peu costaud. Vu que les derniers personnages que j'ai rencontrés étaient assez chauds quoi, en plus il y avait quand même pas mal de monde. Attendez, je vais aller d'abord à la chaise. Putain, je peux pas courir, c'est bizarre. Alors, carreau explosif. 15 000, putain, oh, ils déconnent là, les mecs là. Bon, l'électrique, de toute façon, il me sert vachement, puisque c'est vrai qu'à chaque fois, ça me bloque pas mal les personnages, surtout qu'en plus, ça agrandit, en fait, le truc autour du personnage, qui fait que ça peut électrocuter plusieurs personnes. Donc, ce qui est bien, c'est que ça me les immobilise pendant un petit temps, quoi. Que ça soit les boss ou les personnages normaux, de toute façon. Enfin, normaux, entre parenthèses. Ah, non, mais tout est super cher, là. A mon avis, il faut faire le jeu plusieurs fois pour tout débloquer, c'est pas possible. Parce que bon, je sais que j'ai loupé des trucs, hein, mais quand même. Bon, bah ça me fait chier parce que je peux absolument rien faire. Peut-être augmenter mes balles de fusil à pompe, même pas. Ah, ils sont chauds là quand même. Ils sont bien chauds quand même. Bon, normalement quand je prends ça, ça me débloque les petites lumières dans les miroirs là pour pouvoir passer d'un monde à l'autre. Oups là. Ruvik. Il y a des slits là-bas. Putain, ils m'ont fermé la porte à la gueule. Ah oui, non d'accord, avec l'onde de choc ça passe d'un truc à l'autre. Ici. Ça y est, commence à jouer à cache-cache là. Ben voilà, ça y est, je peux courir enfin. Attends. Il commence à me saouler lui aussi. Entre lui et l'infirmière là.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, où est-ce que tu m'emmènes? Putain, il va me faire courir longtemps comme ça? Oula! Ça sent le pâté là, ça sent le pâté. Par ici. On va pas tarder à s'effondrer. Par ici, par ici. Laisse-lui! Oh, ça pue ça! Ça pue! Ça sent pas bon, je vous avais dit, ça sentait le pâté. Joseph avait vu juste. Bon, visiblement, je suis revenu au départ. C'est l'hôpital où j'étais au début, tout au début. Bon, ça a un peu changé quand même. C'est plus dans le même état. Il faut que je récupère des munitions absolument là. Il me fait chier là, putain, pourquoi ça a chaud là? Déjà, j'ai des caisses qui me sont apparues. Il y a une caisse là-bas. Putain, je croyais que je pouvais pas y aller, gars. Là, faut que je récupère du matos à fond. Il n'y a pas à chier. Putain, ça me fait chier ce truc là, qu'à chaque fois faut se positionner là pour ramasser les trucs. Ça, c'est vraiment un truc qui est chiant dans le jeu, quoi. Allez, donnez-moi des trucs là, putain! Putain, du gel, il me faut des balles là, il me faut des balles. Des balles, des carreaux, il me faut de tout là. Faut qu'il arrête de me faire des petits trucs comme ça là. Je sais jamais où je suis après du coup. Putain, y'a rien en plus, hein, y'a rien à ramasser quoi. Je sais pas pourquoi je sors dans l'hôpital, ça va être un enfer. Je le savais. Autant l'extérieur ça a bien changé, mais l'intérieur c'est resté pareil. Je crois que c'était... Si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je revoie le début. Mais il me semble que c'était autant le bordel. Hein. Bon, déjà la porte est fermée, donc ça limite. Je vais essayer de regarder s'ils m'ont pas laissé des petits trucs planqués. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que à part Leslie, j'ai rencontré personne. Hein. Ah, c'était vraiment le début du jeu. Hein. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait passer par là. Je vérifie partout. Ah, une seringue. Ça c'est pareil, ça va pas être de trop.
Bon, j'espère qu'ils nous ont réservé un beau final quand même. Putain, mais c'est bizarre qu'il y ait personne comme ça. Bien cherché. C'est super étrange qu'il y ait absolument personne là. Je sais pas trop où je suis. Ah mais si, je m'en souviens, c'est tout au début, je m'étais cassé la gueule par là, j'étais tombé dans l'espèce de mare de merde là qu'il y a au sol. Apparemment, il n'y a rien dedans, je vais pas aller me dégueulasser là-dedans. Il me fait des surprises, il est gentil. Il me fait chier à faire ça. En plus, vous avez vu, à chaque fois j'avance d'un bond. Je vais voir là-bas si je peux pas récupérer des. Ah, là il y avait un truc là. Alors, vous rêvez toujours de vous échapper. Vous pensez que la fin est proche. À quoi vous rêvez? Votre corps gît ici immobile. Bon, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est de la munition, pas des bouquins de merde où il y a écrit des trucs à la con. Des matériaux, ça c'est toujours ça de prix. Fabriquer des carreaux, c'est toujours utile. Bon, là c'est fermé. C'est quand même bizarre qu'il y ait absolument personne quoi. Ou alors ils vont faire arriver directement au boss, peut-être. Recharge tout au cas où. Hein. Bon, il s'est pas passé grand chose là depuis le début quand même. Hein. Je suis un petit peu étonné de la tournure que ça prend. Je m'attendais à avoir vraiment plein de monde à venir me faire chier et en fait j'ai absolument personne.
Ou alors ils vont tout me mettre d'un coup. Ça va être ça, je vais tout ramasser. Je vais tout prendre dans la gueule et je vais mourir comme une merde. T'es là, je m'étais dit, une grosse porte blindée comme ça, c'est de bien avoir un truc derrière. Bah non, y'a rien. Mais c'est trop là, c'est trop. Le mec il est en train de s'entraîner pour le marathon de New York. En plus il n'y a rien à ramasser quoi, c'est un truc de malade. Ah si là j'ai des balles. J'ai l'impression qu'il se fout bien ma gueule. Bon, de toute façon, je peux pas me tromper de chemin puisque. On évolue un peu quand même dans un couloir, donc je peux pas m'être trompé là. Bon, je dois être en haut de la tour là normalement. Putain, y a rien, ça sent le boss, mais à plein nez là, c'est obligé. Ah, par contre, du gel il m'enfile. Hein. Là, ouais, je suis déjà rendu à 10 000. Par contre, tout ce qui est munitions... C'est les balles de Magnum, hein, mais on fait quasiment pas. Super, je suis ravi. S'il me file autant de gel, ça veut dire que je vais certainement retourner à l'hôpital là sur la chaise, sur l'espèce de chaise là pour augmenter ma capacité. Mais putain, ils vont pas me faire tourner en rond comme un con là, comme ça là. En plus, y'a personne, y'a pas d'action, y'a rien. Ils sont en train de jouer avec mes nerfs là.
Ah mais en fait je suis pas dans la tour, je suis monté juste d'un cran en fait dans l'hôpital. Là, honnêtement, je sais vraiment pas à quoi m'attendre et je sens que ça va vite me gonfler là, de courir dans tous les sens. Ah, il y a un truc là. Putain. Là, y a rien. Putain, mais c'est pas possible. Attendez, c'est une chaise, ça, non? Ah, c'est des allumettes. Super. Je vais me défendre avec des allumettes. Je vais leur jeter des allumettes à la gueule. Et ouais, c'est une chaise, ouais. Je vais pouvoir augmenter mes trucs là-dessus. Ah, bah, j'ai même pas besoin de retourner à l'hôpital. Ouais, non, mais là, c'est sûr, c'est la fin, c'est obligé. Faut qu'ils arrêtent de jouer avec mes nerfs. Alors, donc j'en étais où là sur le efficacité des seringues 9000. C'est vrai que c'est utile ça, mais. Je crois qu'il vaut mieux que je plante. 15 000! Putain! Ah, ils sont chauds là! Ah, là, ils sont super chauds! C'est pas vraiment un choix qu'il me donne là. C'est hallucinant quoi. Et moi qui trouvais qu'il me donnait beaucoup de points de gel, bah en fait c'est du foutage de gueule. J'ai même plus assez pour moi. Non putain, sans déconner. Ça fera toujours un peu plus de munitions si je peux en trouver, mais bon, il faut que j'en trouve aussi, hein, parce que c'est bien d'augmenter ses munitions, mais si on peut pas les ramasser pour les foutre dans notre truc, et comme des cons, c'est comme pour les grenades. Les grenades, bon, je vais le prendre, mais bon, si je peux pas en ramasser. Putain, c'est quoi ça encore? Oh putain, le con, il m'a foutu les boules! Putain, je suis où? Ah, mais je suis dans la chambre du mec, en fait, il était mort. Le pauvre. Qu'il repose en paix. L'œil de Ruvik, donc. Il va falloir que je fasse gaffe aux yeux. Enfin, du moins à son œil. Thank you.
Putain, c'est ça l'œil de Rubik, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a plusieurs. Par contre, la scène qu'on a vue avant, là, je me disais bien que ça me disait quelque chose. C'est la scène qu'on avait vue au début, là, quand on était dans la... Tout au début du jeu, là, dans la salle de garde. Oh, putain. Ça commence à arriver en masse, là. Bon, au moins, il y a de la munition, je vais faire le plein. C'est pas mal que je puisse tous les geler en même temps là. Mais non, pourquoi tu t'en vas des autres toi? Oh, lui il est gros. Allez, on va essayer de le casser. Yes, ça en fait déjà un de moins. Mais là, il s'est... là, non, non, il y en a trop là. Mais non! Ah si, c'est bon, je l'ai eu. Je suis pas sûr que ce soit un bon truc que je fais là. Oh putain! Il y a peut-être un truc à enclencher là, parce que s'il m'arrive tout le temps comme ça. Oh putain, je vais me foutre dedans là. Oh mais non! Allez, arrête de faire le gogol toi, putain! Mais non, putain, c'est pas vrai quoi, putain! Mais non, putain, il est en train de me défoncer! J'arrivais pas à le viser! Oh mais non, putain! Non! Oh, j'ai fait le con là. Là, j'ai fait le con. Ils sont fous ces gens. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Il faut que j'essaie de me concentrer là. Je crois qu'ils arrivaient de par là-haut, les mecs là. Ils arrivent là, j'ai vu l'onde de choc. Peut-être plus se foutre par là. Putain, mais ils sont où? Oh là! Oh putain, trois gros! Oh yes, j'ai eu les trois! Ça c'est bon. Voilà, déjà trois en moins. Ça c'est plutôt pas mal. Allez, viens là toi. Putain, je voudrais la foutre par terre pour lui foutre le feu. Voilà. Voilà, comme ça, ça en fait deux de moins. Ah, il faut que je bouge là en permanence là parce que sinon je vais me faire déglinguer. En plus ils me font chier, ils ont des masques. Oh putain. Mais non, putain, je vais allumer le mec là par terre. Mais non. Oh, je vais encore crever, putain, c'est pas vrai. Genre je me colle un petit soin là parce que... Putain, je voulais y foutre le feu à cette conne là. Le feu direct à lui. Oh non. Putain, le mec il a un lance-roquette quoi.
Los Rocket. Oh putain, je suis dans la merde. J'ai un foot sur le côté là. Ouais, je vais plus les déglinguer eux là déjà parce que. Je leur foute le feu à eux là. Allez, putain. Oh yes, les trois en plus. Bon, maintenant, va falloir s'occuper du mec là-haut là. Je préfère me soigner parce qu'à mon avis, si je me prends une roquette, je risque de mourir direct. Même là, déjà, je suis pas sûr de pouvoir vivre si j'en prends une. Ah mais c'est un enfer ici quoi. Ah, je voulais de l'action, j'en ai. Putain, je fais n'importe quoi. Allez, on va faire du carreau. Oh! Eh mais il lâche rien lui. Putain, m'a frôlé la gueule celle-là. Mais non, putain que j'ai foutu. Oh, comment il ramasse. Putain là par contre faut que je fasse gaffe parce qu'avec la tronçonneuse. Sur quoi il a pété là. Ah sur ce que j'ai mis tout à l'heure. Ouh. Oh putain je l'ai eu. Bon, je m'en suis plutôt pas trop mal sorti. Bon, je suis quand même mort, mais bon, c'est pas grave. Parce que je me doutais bien que j'avais pas résisté. Maintenant, il va falloir que je fasse la chasse au matériel. Là. Et il me refile encore plein de gel. Par contre, j'ai gaspillé pas mal de choses là. Et ça serait pas mal que je puisse récupérer de. Du bon matos là. Putain, j'espère que je le reverrai plus lui, puisque putain il est. Enfin quand même le coup du lance-roquette c'est. Ah c'est bien une seringue ça, ça me servira. Putain j'avais pas vu qu'il y avait des flèches là. Ça c'est pas mal. Ah putain il y en a une autre ici. Bah, je regarde un peu partout. Hein. Bon, une bouteille, ça je m'en tape. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour du truc là. Enfin, je crois. Oula, il y a des mecs là-haut là. Peut-être prendre le fusil de sniper là pour les déglinguer. Merde, putain, je me trompe dans les boutons. Oh putain, il jette de la dynamite ce con. Bon, là j'ai intérêt d'être rapide hein, sur le coup là. C'est pas évident parce que pour me relever, pour viser, je suis obligé de me relever. Oh putain, et attendez, oh, j'étais derrière le truc là. Putain, le salopard quoi, putain, il m'a bien bousillé la gueule. Faut que je fasse gaffe parce que là il m'en refoune comme ça, je suis mal. Hein. M'étonne qu'il soit mort déjà quand même. Ah ouais, je me disais aussi.
Et il est où l'autre? Oh putain, il est là. Allez, ressort, ressort. Bon, le deuxième, apparemment, il est mort. Bon, lui, je crois qu'il a pris mal. Lui, je crois qu'il a pris... il a pris maximum, là. Ils sont costauds, les mecs, quand même. Mais du coup, je sais pas s'il est mort. Oh, putain, lui, il y a juste la tête qui dépasse. Je sais pas si je vais pouvoir l'avoir d'ici. En plus, ça arrête pas de bouger. Oh, si, oui, là, lui, il est mort. Ah bah, vous voyez, le truc, en plus, il s'est baissé. Bon, bah, ça, c'est nickel. Je sais pas pourquoi je me fais chier à prendre cette torche, mais bon, je la prends quand même. On sait jamais, ça peut toujours servir. Dégueulasse par terre. Il me stresse là, ses yeux là. Enfin bon, vu qu'ils me font pas de mal, je vais pas les... Je vais pas commencer à tirer dedans, sinon je vais gaspiller encore mes balles pour rien. Ouais, je les crame de toute façon, hein, j'ai rien à perdre, hein, je m'en fous. Hein. Putain, il me lâche rien, 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 rien. Ah si, là, il y a une boîte. Boîte de cartouches, mais je suis plein. Ok, attendez, je vais peut-être recharger. Voilà, comme ça je vais pouvoir refaire le plein. Bon, ça serait pas mal que j'arrive au bout là quand même là. Ça fait un petit moment que je joue là. Oula. On dirait une bombe par terre. Il y a des mines aussi là. Oui, alors ça, je prends direct. Oula putain, je vais pouvoir construire du carreau moi. J'ai du stock là. Voilà, voilà. On va y aller doucement là-dessus. Je sais pas si je la laisse ou si je la... Bon, je vais la désamorcer, mais j'ai absolument pas confiance. Hein. Je vois qu'il y a un truc de vie là-bas. On va quand même essayer. Elles sont pas bonnes, cette bombe. Eh merde, putain. Oh non. Ah, je déconne sec là. Ça commence mal. Hein. Bon, 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 bon. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir construire du carreau. Voilà. Alors. Voilà, ma petite torche. Oula. Oh putain, je sais ce qui va m'arriver là. Vous avez vu? Il y avait deux petits coffres posés sur le rebord là-bas. Je crois savoir ce que ça veut dire. Il risque d'y avoir l'autre con là avec sa tête de coffre là. En plus il est chaud lui. Il va être temps d'en finir petit. Bon, je suis pas trop le malin parce que...
Parce que celui-là, il est chaud quand même. Oh non, encore une bombe. Bon, est-ce que je vais arriver à la désamorcer celle-là? Vous avez vu, hein, j'ai fait une petite esquive là. Bah oui, parce que le problème c'est que là, si je me la fais péter la gueule, j'ai peur de mourir là. Et je suis en train de gaspiller toutes mes seringues. Ça me fait chier de la laisser, mais bon. Bon. Je vais essayer d'avancer par là, mais je suis à peu près sûr que l'autre il va. Il va me ressortir de là. Oh putain, la porte elle est carrément disparue au milieu. Je me casse. Je me casse. Oh putain, vous avez vu les mines là, au sol? Oh putain, il y en a deux! Oh la vache, putain. Oh, je suis en panique là. Je vais. Allez, putain, ramasse, ramasse, ramasse! Non! Oh putain! Ah, ils sont chauds là, ils sont chauds là, ils sont chauds bouillants! Allez, mange, mange, mange! Putain, il veut pas mourir! Hein. Ah non, il veut pas! Putain, avec tout ce que j'ai mis dans la gueule! Oh la vache, putain, faut que je me barre! Oh! Faut que je me barre, faut que je me barre! Il y a les deux en plus, hein. C'est pas possible avec tout ce que je lui mets dans la gueule là. Pourquoi il meurt pas là? Mais non, mais non, mais non, mais non! Ah putain! Oh non! Oh, je suis foutu là. Oh! C'est pas vrai, putain. Oh putain, j'ai réussi. Bon, là, il faut que. Putain, deux. Mais je comprends pas. Avec tout ce que j'ai mis dans la gueule, je comprends pas qu'il y en a un qui est pas tombé, quoi. Parce que là, j'ai tout donné. Hein. Je pouvais pas donner plus, là. Il faudrait que j'arrive à les électrocuter les deux en même temps et balancer des bombes à chaque fois pour que les deux soient touchés. Ça paraît évident à dire comme ça, mais une fois devant les mecs, ça se passe pas vraiment comme on veut. Oh putain, c'était encore juste, hein. Putain, en tout cas, pour faire des carreaux, là, j'ai du matos, hein. Là, j'ai du gros, gros matos, hein. Là, il faut que je leur mette tout dans la gueule, hein. Y a pas à chier, faut que je me démerde, là. Faut que je fasse un truc, là. Faut que je passe en force. Putain, deux, ils abusent, quand même, hein. Non, mais en plus, non seulement il y en a deux, et en plus, il y a ces espèces de mines vertes à la con, là. Allez, on va construire un petit peu. Voilà, ça, on va en mettre au taquet, ça. Bon, là, ça devrait être pas mal. Faut que je l'allume direct, le bordel. Dès qu'il arrive, je l'allume. Enfin, je vais essayer. Allez. Je me casse au bout, là.
Ça me donne une petite distance pour pouvoir... Si je pouvais au moins tuer un... Ah mais pourquoi il court comme ça là? Oh là... Là il a ramassé quand même. Faut pas me dire qu'il a rien le mec là. C'est pas possible. Allez putain. Allez vas-y viens 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 viens. Voilà c'est ça. C'est bien mon petit gars. Allez tiens prends prends. Non mais c'est pas possible. Comme il est costaud le type comme. Non mais c'est pas possible là. C'est juste pas possible. Tout ce que je lui ai mis dans la gueule. Rien à foutre moi. Va chier. Mais putain il veut pas crever. Oh non. Les enfoirés. Faudrait leur choper dans le couloir là. Ils sont où? Il en manque un là, il est où l'autre? Ah bah quand même putain. Oh putain l'autre il est là. Non 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 je bouge. Putain c'est quoi cette saloperie? Mais il est pas ça tout à l'heure. Oh là là faut que je dégage de là, là. Putain je suis dans la merde j'avance plus. Hop là on va le coincer là. Voilà c'est ça, ça va me laisser un peu de répit. Oh putain. Allez, je m'étais dit je vais peut-être pouvoir le tirer à travers avec ça mais non. Allez là il va me faire chier là. Oh putain il a fait le tour. C'est vraiment des enfoirés. Le pire c'est, vous avez vu il y a de la flotte mais les mines vertes elles sont restées. Ouais c'est ça fait le tour, ça va me laisser le temps. Oh putain je tire dans le coffre. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée ce que j'ai fait là. Je peux pas ramasser ça, c'est quoi ça? On va recharger un peu. Bon, il est où là? Il est où Roger? Allez, viens à toi. Allez. Ça marche là? Ah, yes. Putain, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Ils étaient costauds quand même. Bon, on va ramasser du matos. 8000 points quand même. Ça aurait été dommage de passer à côté. Hop là, c'était quoi ça? Ah ma torche, j'avais oublié. J'avais oublié que j'avais une torche. Là j'aurais pu leur foutre un peu le feu. Attendez, je vais recharger ça. Hop là, comme ça je vais pouvoir ramasser les balles. Putain, j'espère qu'ils vont pas me refoutre tous les boss du jeu. Hein. Je veux pas retomber sur l'espèce de meuf là avec plusieurs bras là. Ça elle m'a saoulé là. Ou le chien là. Ou... Putain, s'ils me les font tous d'affilée là, je suis vraiment dans la merde. J'ai pas fini, je vous le dis. Ruvik. J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. Oh putain, c'est peut-être ça l'œil de Ruvik là qui me parlait le mec. L'œil de Sauron. Bon, j'imagine qu'il faut que j'évite les lumières. C'est dégueulasse.
J'aime pas trop ce genre de truc là, ça me stresse et machin. Hein. Oh, putain, mais ils m'en foutent partout quoi. Oula. Je me coince avec le mur en plus. Oh non! Ah bah ça va, ça me tue pas. Je pensais que ça me tuerait l'œil, mais non, ça me tue pas. Putain, c'est pas vrai, j'arrive pas à me déplacer ici là, c'est quoi ce bordel? Mais non, putain, je le fais exprès, c'est pas possible. Bon, concentration extrême. Allez, remonte, on va attendre qu'ils remontent les deux là. Allez, dépêche-toi, allez, hop. Ah, en plus, j'ai l'impression qu'il rame moitié quand il marche dans le sang. Oh non, putain, les salauds. Les salauds. Oh non. Je peux pas le désamorcer, ça. C'est bien le mec qui s'appuie dans le vide. Je voudrais désamorcer la petite bombinette, là. Enfin, la mine, plutôt. Si je me prends le pied là-dedans, de toute façon, c'est sûr, je vais me faire voir. Oh putain, dépêche-toi, 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 putain, non! Ah, c'est bon, ça m'a pas vu. Hop là. Ah ouais, là, je fais comment, là? Super, je ne vois absolument rien. Oh putain! Oh là, faut que je me barre, là, faut que je me barre. Oh putain! Oh putain, c'est quoi, ça? Une espèce de mélasse là où du sang par terre, je sais pas ce que c'est, ça me ralentit. Oh putain, non, 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 je vais crever, putain, non. Oh putain, et là je suis passé, mais de justesse. Hein. Oh non, c'est pas vrai, ils m'ont pas foutu là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je suis pas mort pourtant là, putain, je suis passé. Quoique c'est pas pareil là, il y avait pas tous ces trucs écroulés partout. Ah, ils sont chauds là. Ils sont chauds bouillants là. Putain, je suis pas encore dans la tour quoi. Putain, sérieux quoi. Ils vont me faire faire combien de fois ça? Merde, il n'y a plus la chaise. Ok, je peux pas upgrader. Ok. Autant pour moi. Ah bah ça y est, je vais y monter dans la tour. C'était pas comme ça tout à l'heure, il me semble pas. Survivant, plus jamais je monte dans un ascenseur. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu vas plus monter dans un ascenseur, quoi. Mais moi, j'ai marié un truc comme ça, je rentre plus dans un hôpital, je rentre plus nulle part. Je reste chez moi, renfermé à double clé. Ok. Bon. Ça doit être l'épicentre de Ruvik. Ah, mais je reconnais là. Il y avait l'espèce de professeur là, à la con là. Et il y a Joseph. Il y a Joseph. C'est qui? C'est Kidman ça, je crois, non? Conley. Eh mais ils sont tous là en fait, c'est un truc à la Matrix là, leur truc là. Eh mais c'est moi ça. Mais c'est moi. Bah c'est ce que je viens de dire. Au secours, au secours. Hein?
Sébastien, éloignez-vous de lui. Sébastien, écoutez-moi. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi. Donc à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... ça n'a plus d'importance. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire, vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie. C'est Ruvik. C'est lui qui a... Comment j'aimerais pas marcher là-dessus, moi je vous le dis. C'est dégueulasse, le mec il... Ah, plat ventre de suite, putain ça me dégoûte. Putain, c'est quoi cet engin? Je buterai jamais un truc pareil, ils sont malades. Là, je peux vous dire, je suis mal. Là, je suis mal. Oh putain. Faut que je fasse quoi là? Oh putain de merde. Ah là, je suis mal. Là, mais c'est trop là. Mais non, putain, c'est pas vrai, putain, non. Bon, là, il faut que je passe, il faut pas que je me fasse choper. Oh, putain. Ah, il faut qu'il me lâche, là. Eh mais putain, elle a l'air nerveuse, putain le mec il a un train électrique sur les dents. Eh non mais c'est trop là, je... Ah, j'en peux plus là, j'en peux plus. Thank you.
Ah oui, d'accord, je comprends mieux comment je vais l'avoir. Je me disais aussi, je me suis dit, c'est pas avec des petits flingues de merde que je vais réussir à l'avoir. Allez, dégage. Ah, je peux lui tirer dans la tête aussi. Oh la vache. Allez, putain. Pourquoi je peux pas le toucher, là, putain. Il va pas crever, cet enculé. Oh, putain. Oh, non. Mais non, hein. Pourquoi il m'a chopé, là? Oh, je suis deg. Oh. Ah mais c'est le script du jeu. Ah non mais je suis pas mort en fait. C'était prévu. Donne-moi ça toi, donne-moi ça. Bon, il faut que je lui tire. J'ai vu qu'il avait des espèces de testicules là sur le... sur la poitrine. Je sais pas si c'est ça qu'il faut tirer. Ou alors son espèce de monoboule qu'il a en dessous là. Je sais même pas si je le touche. Enfin, du moins si ça lui fait quelque chose. Ah si, là ça l'a touché. Là. Il faut que je vise la tête. Putain, arrête de bouger. Oh yes. Il est énorme le truc, hein. Allez, putain, fous-moi la paix, dégage la bordel. Ah, il veut pas mourir, hein. Ah, si, quand même. Ouais, le mec il veut jamais mourir. Oh putain. Prends ça. Oh non. Il m'a bouffé. Son putain de cerveau, il est là. J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. Ruvik. Bon, on va en terminer avec ce truc là. Pour finir. Voilà. Son petit cerveau de merde là, c'est ça qui fout la merde en fait. Hein. Un petit coup de 48 dans les dents. Ça lui a fait du bien, Ruvik. Laissez-le. Cela aussi. Ils n'iront nulle part. Nous non plus.
Go. Inspecteur, vous allez bien? Il y a des survivants? Tenez-moi. Seulement un petit peu d'air frais. Eh bien voilà, le jeu est fini, donc là ça doit faire un petit peu plus d'une heure là qu'on est ensemble. Bah écoutez, voilà, bah ça y est, c'est fini, hein. C'est... ça me fait tout bizarre d'avoir fini ce jeu, j'ai l'impression que je le finirai jamais. Donc dans l'ensemble, bah moi le jeu m'a plutôt plu, hein. Je pense que vous en êtes aperçu, hein. je l'ai trouvé assez sympa, malgré ses quelques défauts qu'il a, dont un qui est le plus gros pour moi reste quand même ces histoires de bandes noires là, qui nuit du coup à la caméra, et qui nuit du coup au gameplay. Ça c'est vrai que c'est vraiment un gros défaut qu'a le jeu, quoi. Ça c'est vraiment un truc que je regrette. Bon, après il y a l'effet de pop là, sur les textures et tout ça, qui se mettent un petit peu en branle dès qu'on change de plan. Bon, encore ça m'a pas hyper gêné, quoi. Après, la jouabilité, je l'ai trouvé très bonne. L'histoire est complètement tordue. C'est vrai que pendant pas mal de temps, il y a des trucs que j'ai pas compris, quoi. Que je viens de mieux comprendre au fur et à mesure du jeu, quoi. Donc moi, j'ai vraiment pris un bon pied dessus, quoi. Je me suis bien régalé. Après, à savoir que c'est pas un jeu qui fait peur dans le sens où... Où en fait vous sursautez de votre chaise, bon ça peut arriver par moment que vous sursautez un petit peu quoi, mais c'est plutôt la peur tout le temps de manquer de munitions, de trousses de soins, de choses comme ça. On est plus stressé en fait que de la peur, c'est plus du stress vis-à-vis en fait des matériaux que de la peur vraiment à elle-même. Après le jeu est bien gore et tout ça quoi. Après je vous dis au niveau de la réalisation, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils aient fait quelques choix un peu bizarres comme ces fameuses bandes noires. Je pense que c'est pour que le jeu soit un peu plus joli, que sinon le jeu aurait été un peu plus moche si elles n'y avaient pas été. Après je me dis que le jeu en fait il a le cul entre deux générations de consoles, la 360 PS3 et la PS4 Xbox One. Vu que c'est sorti aussi sur 360 et sur PS3, voilà, peut-être qu'à la base le jeu était peut-être prévu pour ça, ils ont voulu un peu le rehausser pour les trucs, ils n'ont pas eu le temps, je ne sais pas, après je connais pas les détails de l'histoire, mais bon voilà quoi. En tout cas moi le jeu m'a bien plu, en plus il a une très très bonne durée de vie, hein. Franchement pour ce type de jeu, je trouve ça complètement hallucinant le nombre de niveaux qu'il y a, surtout en plus il faut bien préciser que les niveaux sont quand même relativement très très différents, hein. Bah, pour ceux qui ont suivi le let's play jusqu'au bout, ils l'ont vu quoi, et donc voilà quoi. Donc globalement je suis plutôt satisfait du jeu, je pense que s'il y a une suite, je la ferai. Pour les DLC, parce que c'est vrai que quelqu'un me demande souvent les DLC. Les DLC, je verrai selon ce qu'il y a dedans. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas un pro du DLC. Hein. Genre, ça m'arrive d'en prendre de temps en temps, mais en général, je trouve ça assez cher pour ce qu'ils donnent dans les jeux, quoi. Donc, je vais voir si vraiment ça m'attire. Si vraiment, après, il y a quelques heures de jeu en mode solo et tout ça pour accompagner l'histoire, pourquoi pas. Mais ça, je vous le promets pas. On verra ça prochainement. Donc, on verra ça quand ça sortira déjà.
Donc bah écoutez, bah, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, et puis bah écoutez, on se retrouve très très bientôt sur d'autres vidéos. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao ciao.